Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans la campagne Kourou de Sparte dans laquelle nous jouons Corinthe. 10 secondes d'intro, la vache. Alors, j'ai fait passer quelques tours, ouais, toujours du déplacement, 2-3 mini-batailles aux alentours de Myrina et Citer, donc j'ai juste cassé leur flotte de garnison. Et on va d'ailleurs faire tomber les quelques armées restantes grâce à la vengeance de l'Atlantide. Donc on occupe, voilà, il restera plus que la cité de Sparte, au Sparte, du coup, et Myrina. Pareil, normalement, on s'est débarrassé de ce qu'il y avait de plus embêtant, voilà. Ah, je perds vraiment une unité. Hein. C'est pas grave. On va faire de la reconstitution. On a quand même réussi à avoir deux villes. C'est parfait tout ça, c'est parfait. Au niveau des armées, j'en ai une ici, ouais, forcément pour défendre au cas où Sparte nous embête. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais très certainement aller à Sparte pour le coup. Et on va recruter des mercenaires et puis en faire une cité-état. Ouais, ça peut être pas mal. Au niveau des succès, subjuguer cette faction, j'en ai 5 actuellement. Oh bon, si je fais Sparte, si je subjugue Sparte, on est bien. Puis Athènes, il reste plus grand chose, hein. Il reste ça et quelques cités ici. La Ligue Ionienne. Ah, ils sont plus en guerre, ils sont plus en alliance avec Sparte. Accepté pour l'instant. Voilà. Surplus de population à UG. Très bien. Hop. Oui, là c'est en reconstitution. Ici il ne pouvait pas passer. D'ailleurs, je vais dissoudre tout ça. Je vais recruter des unités de hoplites. Pareil, hein, les unités de cavalerie légère, je vais remplacer par des unités d'IPIS. Donc de la cavalerie lourde, ça va faire du bien. Oh, tu sais quoi, là, je vois que j'ai une armée. Là, normalement, j'ai plus trop de soucis à me faire. Je vais aller fusionner les deux armées. Ça avance pas beaucoup. Je vais aller fusionner les deux armées et ça devrait être bien. Ok, là on est bien. Reconstitution 3 tours. Lente. Non, rapide. On va faire passer l'hiver. Traité de paix. Oh, il y croit. Ah, il a de l'espoir. Non. Je peux donner le statut de client si tu veux, mais. Traité de paix, Byzantion. Alors il est encore en alliance avec Athènes, donc non, pas lui. Ah ouais, mais. Ouh. Ouh. Oh, bah ils y sont tous. Ah, oh, bah il n'y a même plus besoin de recruter ici, allez hop. On va refaire le bâtiment. J'hésite à faire le bâtiment parce que c'est quand même cher, hein, 4100. Mais bah écoutez, ils vont faire tomber Sparte tout seul comme des grands. Bah, pas besoin de lever plus de troupes. De troupes. J'ai fait un mélange entre troupes et flotte. Ça fait plus de troupes. C'est le printemps, c'est le printemps. Ça, c'est bien que ce soit le printemps.
périphérie. Un tout nouveau quartier. On voit qu'il y a deux villes, il y a Rhodes et Lindos. La ligue vient d'en après. Oh, partagé! On n'a plus d'ennemis sur la mer, hein, sur Criticopelagos. Bon, Icariopelagos, par contre, c'est pas pareil. C'est bizarre. Je suis pas en guerre pourtant. Ah si! Kos, c'est considéré comme. Ah! Bah, je le saurai. Je le saurai, pardon. Ouais, je vais attendre que cette flotte soit tranquillement reconstituée, puis j'enverrai à Kos. Là, ça dit quoi? Ah si, c'est là, fallait que je recrute. Ouais, c'est un oubli de ma part, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, les deux, ils sont mis en vol de nourriture. Chez l'Athénien. Agresseur, Ligue Achéenne. Ah merde. Je romps l'alliance avec la Ligue Étolienne qui actuellement ils sont mal vus. Ah quoique. Ça c'est mauvais ça. Je suis obligé de rentrer en guerre contre un des deux. En gros, enfin, soit je romps l'alliance avec les Achéens, mais eux ils sont pas mal vus, je crois. Je suis obligé de rompre l'alliance. Fais chier. Et ouais. Fais chier. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, tu veux pas? Et ben, va faire voir. Ah, ça m'énerve. Ah ouais, dans tous les deux en plus ils ont les. Bon, les deux ils se font mal voir, ça me va alors. Allez, on recrute deux unités. J'en ai combien en arrivée là? 4. Donc je vais en dissoudre ça. Et je vais recruter. Ouais! Ouais, c'est parfait ça. Ça fera une armée bien équilibrée. On a de la nourriture, autant profiter. Et là, on est d'accord que c'est pas encore totalement reconstitué. Oula! Je vous vois venir, les gars. En marche forcée, là. De toute façon, qu'ils viennent, au pire, je vais avoir une petite armée rapidement. Ah, ça y est, j'avais oublié. Bon bah du coup, peut-être falloir que j'arrive à recruter un de plus. Va falloir que je recrute une unité de plus, c'est pas grave. Hop, on s'en fiche. Toi, voilà. Toi, voilà, tu recruteras une unité de hoplite de plus. Reconstitué, je vais passer par là, pourquoi? Parce que là on a full falaise, on a que des falaises. Et s'il y a un endroit par lequel ils vont débarquer, c'est par là. J'ai pas envie. Ok, ça on peut toujours pas. Petite extinction de voix. Ah, des cailloux. Oui, des cailloux. Ah, d'ailleurs, il n'y a plus de Sparte du coup. Ah, la vache! Il n'y a plus Sparte. Le courroux de Sparte, bah. Pas ouf quoi. Voilà, dans deux tours ici on est recruté. Là je l'emmènerai le tour d'après. Ne veux pas le statut de client, c'est pas grave. Ah, pour sponsoriser un athlète, c'est pas mal ça. Bon, le mec il fait un siège. Ah, il est motivé hein.
Bon, il n'y a pas de problème. Écoute, fais ton siège. Je veux dire, au niveau unité, j'ai largement ce qu'il faut. J'ai la mer, donc je serai approvisionné, j'aurai pas de pertes. Aucun souci. Alors, qu'y a-t-il ici? Ouh, attendez, il y a une belle flotte là-bas. Allez, vous savez quoi là? Résolution, équilibré. On fait de l'esclave. On accélère un coup. Hop là! Et là, on est pas mal. Et voilà. J'avais pas une flotte là, je voulais pas faire quelque chose ici, je sais plus. Bref. Ce que je peux faire maintenant là, c'est vu que j'ai pris cette cité, c'est regrouper les deux flottes et aller sur Rhodes ou sur Kos, ou un truc comme ça. Ouais. Comme ça m'éviterait d'avoir à faire descendre ma flotte du nord. Ah bah voilà, ça y est, ils sont barrés. Ils se sont dit c'est pas une bonne idée tout ça. Ok, c'est cool ça. Milos, Milos. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas, ça du tout. Ça me va. Pas cher payé. Ok. Je suis pas sûr que ce soit vraiment du respect, mais bon, c'est pas grave. Hop là, on leur coule une bonne armée. Ah, je les tue, j'ai pas besoin d'argent là. Et j'ai déjà fait pas mal d'esclaves, donc j'ai pas envie que ça se retourne contre moi. Hop. Et on va faire le siège. On emmène le reste de l'armée. Et là, on se retrouve avec une belle armée. Hop, lui, je peux le dissoudre. Regardez-moi cette belle armée là. Oh là là. Il manque juste un petit champion là pour l'entraîner là. Je sais pas si j'en ai un. Est-ce que je peux en recruter un? Ouais, pas ouf les champions ici. Hein. C'est quoi le héros là? Il va traverser la mer. Ça lui fait drôle, tiens. Il y en a déjà un là? Ah ouais, d'accord, j'en ai un pour. J'ai une armée ici. Oh la vache, je l'avais totalement zappé elle. Bon, on va lui faire aller. On va la faire aller là. Oula. Bonjour, qui êtes-vous? Oh purée, la force du recrutement. Ouais, au cas où, hein, je sais pas, je préfère lever un peu de quelques unités Sparte, on sait jamais. Tu sais. Oh, bonus de bélier. Wow. Enfant de EG. Waouh. Bon, les gars, les béliers là, ils vont vous faire très mal. Traité de paix, bah, comme je t'avais demandé. Hein, t'as client, mais tu veux pas. Donc. C'est pas ma faute, tu veux pas. Je t'ai proposé, j'étais gentil en plus. Hein. Je t'ai même pas proposé de contrepartie. Hop, un joli blocus. On attaque Maronnet. On prend Maronnet. Byzantion, tu vas perdre de la nourriture parce que. Voilà. Parce que je vois que tu commences à un peu m'attaquer là. J'aime pas ça. Wow. Alors, on va augmenter un peu nos technologies maritimes. Ici, oh non, c'est quoi? Il y a du moral. Hop, des mines. On veut des revenus, on veut des revenus. Et de la nourriture. Et quoi ici? Ah ouais, bah, il est tout seul. Très bien. Peut-être tiens juste à ça, moi.
Ah, j'ai bien fait. Je sais pas, j'ai eu une petite intuition là. En mode, ah, t'as peut-être, c'est quoi, fais gaffe, regarde un petit peu là. Un policier. Ah, pas de choix. Par contre, je peux pas. Ah, j'ai pas assez d'argent. Risque 0%. Ouais, ça passe. Rien à faire. Eux, ils sont. Ils font rien là. Knossos, Gortina et Kidonia, ils font mais rien de rien quoi. Ah oui, c'est vrai. On allait attaquer Kos avec eux. J'ai oublié. En constitution, on est bien. Bon, on va y aller. Voilà. Italie. Voilà, comme ça on se fait bien voir de tout le monde, c'est parfait. J'ai oublié les agents qui vont se balader. Oh, lui, il a pas fini. Hein. Là, je veux dire, le général, le champion, je sais pas comment il est, je sais plus. Il va, mais il va mettre 20 ans à y arriver, lui. Bonjour, qui es-tu? Ah, oui, c'est vrai. Eh bah, il y a de la troupe ici. Hein. Ah, je suis en guerre contre les Perses. Mince. Je vais relever une flotte ici alors du coup. Je vais pas avoir le choix que. Même pas une flotte. Qu'est-ce que je raconte moi, une armée? Parce que là je vois qu'il a une petite armée là qui s'approche tranquillement. Hein. Ah ouais, ça m'a coûté cher cette. Ah bah mince alors. Je vais devoir lever le. À moins qu'une résolution automatique me coûte pas trop cher. Ouais, allez. Je vais devoir accélérer ici, c'était pas prévu mais. Le tour prochain, je prends ma flotte et je l'emmène attaquer les Perses là. Hop, on améliore. Je crois que j'ai encore des flottes. Celles-là, elles peuvent bouger. Oui. Et on va aller à Kos. Là, il y a quoi là? Il n'y a rien qui va me. Ça devrait aller. Ouais, faire gaffe, l'Empire Perse, il s'est un peu énervé là. On va le calmer un coup, tu vas voir. Gétolienne. Ouais, mais non, ah, il est plus en guerre contre les Gachènes. Guerre passée. Non, mais sérieux, c'était vraiment que pour me faire chier. Hein. Je vais voir. Ouais, mais ils sont tous en expansionniste. Ouf! Ah, mais lui, c'est vrai qu'il a deux villes. Non. Je vais faire un pacte de non-agression, mais c'est tout. Et hop. Je suis pas grand risque. Là, ils sont barrés. Ça me va. Ils sont barrés, mais. Par acquis de conscience, je vais quand même les poursuivre un coup, là. On sait jamais. Hop, on s'avance en embuscade. Ah, mais. Ah, je peux faire ça. Je vais recruter encore. Mais que des archers, je crois. Ouais. Je vais aller prendre Oreille.
Ah oui, c'est vrai que c'est mon archonte. C'est mon dirigeant de faction qu'elle a, quoi. Je vais le mettre en marche accélérée et je vais aller ici. Ah mais mince. J'ai plus le droit de passage de la ligue étolienne. Ah. C'est gênant ça. Ah. Comme de par hasard. Je l'avais pas prévu. Hop, j'ai même pas besoin de me déplacer, enfin de la jouer en auto, en manuel. Putain, je vais y arriver. Athènes, ouais bah oui, je fais d'Athènes, tu m'étonnes. Ouh. Bon les gars, on peut faire de la nourriture là. Et ça les gars, ça c'est bon. Là, on s'avance vraiment petit à petit. Hein. Là, normalement, on vole ici et ben on va lui faire voler là-bas. Non, parce que bon, c'est pas qu'il est casse-bon, hein, mais si, totalement. Donc un ici et l'autre là. C'est bon, il n'a pas avancé. Pas avancé d'un pète. Ah ouais, non, d'accord, j'ai inversé les deux. Autant pour moi. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. J'ai mes deux flottes pour accoster Akos. Ouais, j'ai déjà fait mieux, mais j'ai déjà fait pire. Résolution automatique, mode défensif, 84% de unités restantes. On occupe. Il reste une ville athénienne? Parce qu'ils sont pas tombés. Je suppose qu'il en reste une, quelque part. Ah ouais, il reste là. Ah ouais. Je les avais oubliés ici. Vraiment, ils ont plus grand chose, quoi. Alors, est-ce que je peux avancer rapidos? Ah, tiens, bonjour. On recrute un peu quand même au cas où. Mais là. On va manger du perse, les gars. Là, c'est. On va manger du perse. Hop. Et cette flotte. J'aimerais la mettre à quai quand même. Mais j'ai pas de quai dans le coin. Retourner là-bas. Hein. Athènes qui prépare quelque chose. J'ai oublié une armée quelque part. Ah putain, il m'a peut-être vu en plein milieu. Ouais, on va faire l'alliance défensive. Propose pas mal d'argent. Surtout, c'est bien pour gagner la partie pour les missions. Ah. Par contre, je sais pas où. Ouais, il m'a vraiment capté, quoi. Mais quel schlag. Ah mais non, mais j'étais en. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là là, bah ouais, non, mais c'est moi, juste moi qui suis con là, en fait. Ah là là, ben ouais, non, mais si je fais de la merde. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, je vais relever une armée là, ici, pour recruter du coup l'armée que j'ai perdue, enfin les unités que j'ai perdues, purée. Ah, c'est bête de faire des erreurs comme ça. Alors, ici, il n'y avait pas une armée perse dans le coin là? Ouais, voilà. Coucou, qu'est-ce que vous faites ici? Faites gaffe, les gars, vous prenez l'eau.
Et puis elle est salée, hein. Comme votre défaite. Allez, c'est parti. Voilà, plus de perse. Ça, c'est le principe. Quand t'as un furoncle, il faut le percer. C'est exactement ce que j'ai fait. Allez, je vais faire un petit débarquement ici. Et bien sûr, je vais quand même accompagner cette armée au cas où elle se fasse attaquer. Allez, sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On a déjà un bel épisode. La campagne touche à sa fin. Progressivement. Ah, c'est pareil, il a réussi à revoir mon armée. Non, c'est bon. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.